Bonjour, c'est Bookie8, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir le kit qui vient de sortir le 1er septembre. On découvre le premier bonnet. C'est un bonnet assez cool, assez sympa, version garçon, fille. De toute façon, apparemment, c'est assez mixte les vêtements. Là, maintenant, on passe au haut. Alors, au haut, il y a plusieurs couleurs. Je vais évidemment mettre des chaussures adaptées. Alors, les kits sont toujours mélangés avec les autres kits. Donc, on découvre là les nouvelles baskets qui font un petit peu d'une certaine marque, je dirais Adidas ou Sim Didas. Pourquoi pas? Donc, en plusieurs coloris. On a aussi des genres de boots, des petits boots, voilà, en différents coloris. Mais peut-être que pour la découverte du kit, je vais rester sur des baskets. Donc déjà, nous avons notre petit Sim qui a un haut pareil. Hein. Quand on remarque le signe qu'il y a sur le haut et sur le short, on pourrait aussi dire que c'est toujours du Sim Didas ou du Adi Sims. Pour les marques. D'ailleurs, même les rayures, on a même les rayures sur les côtés. Là, nous avons un deuxième haut. Alors, nous avons un genre de gilet un peu moutmout par-dessus un t-shirt décliné en plusieurs coloris. Je ne suis pas fan du coloris léopard, mais je le trouve assez sympa ce haut, ce gilet un petit peu en polaire. Là ensuite, nous avons donc un pull par-dessus un t-shirt qui dépasse en bas et en haut. Donc assez sympa ce sweat. Ensuite, nous avons la veste un peu militaire, treillis, et nous avons cette veste qui se décline aussi à carreaux ou alors en couleur unie. On retrouve toujours un haut de sport, un haut de jogging décliné en plusieurs coloris avec toujours la marque Simdidas. Et nous avons aussi le gilet sans manches, un peu rembourré, un peu épais. D'ailleurs, nous avons le pantalon qui va avec. On n'est évidemment pas obligé de mettre les deux qui vont ensemble. C'est pas une obligation. Là, c'est juste que j'essaye les différents styles de pantalon avec les hauts. Là, nous avons donc du coup, j'adore ce bas de jogging, qui est toujours de la marque que l'on connaît, enfin d'une marque que l'on connaît. Il n'y a que deux bandes et pas trois bandes sur les côtés. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas l'autorisation pour mettre la marque, mais on reconnaît quand même assez bien cette marque. Nous avons découvert donc rapidement une chemise par-dessus un t-shirt assez sympa. Nous avons le t-shirt aussi style camouflage treillis qui se décline aussi en style uni, avec un motif sur le devant. Et nous retrouvons aussi ce haut, ce sweat en haut, toujours de la marque, décliné en plusieurs coloris, avec un t-shirt manche longue que nous avons sur le dessous. Évidemment, je vais remettre pantalon à notre enfant Sim, que actuellement j'ai un petit peu dénudé. Et on découvre toujours différents coloris pour les pantalons. Donc là, j'essaye les différents pantalons. Nous avons aussi un short. Les pantalons, c'est plutôt jogging, hein. Nous n'avons pas de pantalon plutôt tissu toile. On découvre maintenant les tenues pour filles. Alors, au niveau de tenue complète, on a cette robe. Cette robe que, franchement, je ne suis pas fan. Elle n'a rien d'extraordinaire au niveau de la coupe. Elle est assez basique. Il y a une petite ceinture évidemment qui maintient, qui fait une démarcation, mais vraiment rien de spécial à cette robe. En plus, au niveau chaussures, on n'a pas de chaussures pour filles. On n'a vraiment que les boots ou alors du coup, enfin les chaussures de marche ou alors eh bien, ces petites baskets. Au niveau des hauts, on retrouve tous les hauts que nous avions pour le garçon, mais on découvre d'autres hauts pour les filles spécifiquement, dont un top avec un petit nœud, un top avec un col qui monte. Nous avons aussi ce petit pull avec un. Ça fait cache-cœur, mais dans le dos, donc pas cache-cœur devant, qui se croise dans le dos, décliné en plusieurs coloris. Donc j'essaye les différents t-shirts, mais on avait déjà pour le garçon. Et nous avons ce troisième haut pour les filles. Donc c'est un pull avec un petit sac à dos dans le dos avec un pompon. C'est super mignon, ça je trouve ce pull super chou. C'est adorable.
En tout cas, au moins, on a l'impression que notre sim porte un accessoire. Ça aurait été bien de le mettre dans les accessoires plutôt que de le mettre directement avec une tenue, avec un haut. J'aurais bien aimé qu'on puisse le rajouter dans les accessoires, en fait, ici. Et dans les accessoires, on retrouve une montre. Là, je reviens, je lui mets un petit haut pour qu'on puisse découvrir la montre. Ça fait un petit peu une montre dont on connaît aussi la marque, une montre connectée, carrée, qui se connecte au téléphone. Donc, on reconnaît très très bien cette montre. Là, j'essaye de lui remettre du coup pour pouvoir essayer les accessoires, dont des collants qui sont des collants en résille. Alors, pour une petite fille, je ne suis pas fan des collants en résille. J'aurais vu plutôt des collants. En plus, j'essaye des chaussettes par-dessus les collants en résille. Les chaussettes, toujours de la marque que l'on reconnaît. Donc, ces collants en résille, en fait, je ne suis pas fan pour les enfants, pour les petites filles. Je verrais plutôt ça pour les grandes. Par contre, il y a des petits strass dessus qui sont assez sympathiques. Mais j'aurais vu des collants plutôt unis qui auraient été assez sympas, avec peut-être des strass dessus ou alors avec une petite déclinaison de brillance, de pailleté, mais pas des collants en résille. Et par contre, j'essaye du coup des chaussures qui pourraient aller avec ces collants. Mais du coup, l'assortiment, si on garde le kit, j'essaye des bottes, si on garde ce kit, évidemment, je trouve que nous avons la robe, les collants avec les baskets, c'est pas top. Franchement, c'est pas terrible. Donc pour la petite fille, il manque peut-être une paire de chaussures qui serait assez sympathique. Les collants, j'aurais peut-être pas fait en résille. Quant à la robe, je l'aurais fait un peu plus stylée, surtout pour ce style sportswear ou streetwear. En fait, cette robe, peut-être qu'elle est plus streetwear, mais je suis assez déçue de cette robe. Franchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!